Pour présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Sans perdre du temps, mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité pour ce semaine. 12 juin 1995, 12 juin 2023, bah exactement 28 l'année depuis la police nationale l'a créée pour servir et puis protéger la population haïtienne. Pour commémorer date ça, yon mes action de grâce a chanté lundi 12 juin 2023 dans la chapelle amphithéâtre institution policière en présence de plusieurs personnalités parmi eux, ministre en justice et sécurité publique, M. Emily Prophète Mulsé, ministre économie et finance, Michel Patrick Boisvert, représentant conseil supérieur pouvoir judiciaire, haut état-major dans la médaille haïtien, présidente haut conseil transition, madame Mirland Hippolyte Manier, représentant corps diplomatique, consulaire et divers membres dans le gouvernement. Jean responsabilité a annoncé ça, il y a diverses activités qui organisées dans le département Niplan à l'occasion 28e anniversaire police nationale là, tant qu'une conférence débat défilé à Kiomès action de grâce qui chantait dans la cathédrale Miragouane. Commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadin qui était participé dans la célébration SAF et fait connaître les gagnants parfaite collaboration entre lui-même et la police. Commissaire a souhaité Amonissa continuer dans le département dans l'objectif pour capable bailler population en plus bon service. Dans ça qui gagne à voir avec politique pays d'Haïti, nous pas venir ici là pour recevoir dicter aucun monde, nous pas venir ici là pour négocier un nouveau accord en plus ces déclarations. Premier ministre de facto Dr Ariel Henry nan diskouli nan ouverti chita tande ak akte politik ayisyen yo dimanche 11 juin 2023 nan peyi Jamaïk. Réseau national Pleyan Petro Caribe RNPPC Santkal Lévèque SKL Force 157 se kek pami plize organisation ki bay tèt yo mission pou force la justice haïtienne fè lumye sou dossier Petro Caribe a. Nan yon konferans ak la presse jounen lundi 12 juin 2023 ensemble esthétique yo mettez tête ensemble pour relancer bataille pour permettre procès Petro Caribe arrive fait dans souci pour juger et puis condamner tout le monde qui complice dans gagoter plus passé 4 milliards de dollars vert qui était investi pour permettre bon genre développement fait dans pays d'Haïti. Président coordination Kazakh commune à Kayaya, Koka, Jean Monax, innocent déploré façon gouvernement Ariel Henry a traité Kazakh yo. Kazakh section Fond Baptiste l'a fait connaître yo presque 3 ans. Il y a presque 3 ans depuis yo pas recevoir yon goud nan men l'état central et puis Kazakh yo pa jam jwenn yon projet pour réaliser nan section communale yo. Zami internautes, c'est point sa yo ak divers lot qui va faire essentiel. Journal Taxe 69 pour jeudi lundi 12 juin 2023. N'ap tounen pour développement information yo après un coup de pause. Merci à tous les amis internautes qui ont choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour être capable d'informer, sorti lundi pour arriver vendredi. Mais journal là en détail, un journal qui arrive possible grâce à la collaboration tout journaliste TAC 509 et technicien. Pour présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubrun. N'a pas démarré le journal là avec dossier commémoration police nationale d'Haïti 12 juin 1995 12 juin 2023 bah exactement 28 l'année depuis police nationale l'a créée pour servir et puis protéger population haïtienne non. Pour commémorer date ça yon mes action de grâce chanté lundi 12 juin 2023 dans chapelle amphithéâtre institution policière en présence plusieurs personnalités parmi eux ministre en justice et sécurité publique là M. Emily Prophète Mulsé, ministre économie et finance là Michel Patrick Boisvert, représentant conseil supérieur pouvoir judiciaire, haut état-major la médaille haïtien, président haut conseil transition madame Mirland Hippolyte Maniga, représentant corps diplomatique consulaire et divers lotements dans gouvernement célébrant principal là monseigneur Pierre André Dumas dans Romélie circonstance li salué mariage police là ak population qui selon lui qui capable aider force l'audio combattre force banditisme dans pays d'Haïti et puis li profiter faire appel à compréhension à collaboration autorité judiciaire dans cadre décision à prendre pour libérer moun la police arrêté pour mauvais affaires. Parallèlement de tout pays amis Haïti yo pour montrer plus volonté dans mode accompagnement y a baye police là. En côté célébrant principal là monseigneur Pierre André Dumas cap dit plus dans micro journaliste TAC 509. Nous vous félicitons chers officiers officières de police pour cette forme d'intercommunion de complicité avec le peuple.
La population vous est reconnaissante parce que nous donnons aux polices pour peuple là et peuple là tout senti police la Machiavel, l'Imaria police li. Et c'est ça que nous avons toujours besoin et nous devons continuer à améliorer li pour succès qui commence à arrêter la route. Population fière de police li et certain que fierté ça la prêter et la toujours doué police là pas seulement chandelle la jour fête li mais que police là c'est pas li là pour la contribuer travailler avec la police crédibilité fiabilité confiance ça faut que nous kembel pour service protection ak service comme gardien communauté capable toujours faire en termes de sécurité, en termes de l'ordre, de discipline, de tranquillité et en termes de renormalisation de la vie du peuple haïtien. L'évangile béatitude, je dis à que nous coûter, l'hypothénous vivre réalité ça comme gardien de la paix. L'art de la paix, nous devons le cultiver et en même temps, nous devons rester comme des assoiffés de la justice, comme a dit le texte de ce matin. Une parole prophétique. En parole qui peut être symphonie dans le cœur nous, heureux les artisans de paix, béati, pachi, fichi. Bienheureux ceux qui travaillent pour construire la paix. Bienheureux ceux qui sont les faiseurs de paix. Bienheureux ceux qui font faire la paix. Bienheureux ceux qui font émerger autour d'eux le royaume de paix, de justice et d'amour. Jésus n'a pas dit bienheureux les pacifistes. Il a dit, heureux ceux qui font la paix, heureux les artisans de paix, ils seront appelés les enfants du bon Dieu. Ça signifie, il faut marier justice là avec la paix, pour que le cas fondé, mission que nous gagnons. Il faut nous marier la paix avec la justice, pour jouer une identité, la police là tout. L'ordre de la cité fonctionne, que la paix et la justice, comme dit le psaume 85, s'embrassent. Jésus, il était bâillé la ville, il sacrifiait, même Jean plusieurs policiers parmi nous tombés, pour les cas détruire la séparation qui est dans le cœur monde, la haine, faire disparaître et pour les capable de renverser mille de divisions qui séparaient deux peuples saillants. La paix donc est un droit fondamental de chacun. La paix est une valeur importante. La paix fonde l'harmonie sociale, la paix fonde le vivre ensemble. Sans la paix, la société s'effondre. La vie est donc menacée. Le bien-être personnel et collectif est hypothéqué sans la paix. La paix devient l'objectif de la coexistence sociale. Sans la paix, ce sont les blocages qu'on trouve, ce sont des zones de non-droit. Sans la paix, le peuple est comme livré à lui-même. C'est donc une œuvre évangélique, comme nous l'avons écouté, de travailler pour la paix et de faire faire la paix. La police a cette noble mission. Et c'est Paul nous dit qu'il y a une bonne nouvelle de paix. Le psaume 122 proclame que la paix soit dans tes murs, Jérusalem, et la tranquillité dans tes palais, pour le bonheur et la prospérité de notre peuple. Le prophète Isaïe, au chapitre 32, le verset 17, nous dit « La paix, c'est l'œuvre de la justice. Opus justitiae pax. » La paix, c'est le travail, c'est l'œuvre, c'est le fruit de la justice. Frère Chemio, matin, en fait, nous devons développer tel ça plus, mais l'a bousculé nous. Travail pour la paix, ce n'est pas un bagage qu'on fait toujours quelques jours. Travail pour la paix, pour réaliser, c'est pour nous apprendre à façonner, forger, polir avec amour et pour nous capables de vivre pour porter la perfection la paix. Pour que les quartiers qui échappent en bas main, que vous nous arrivez, ce sont des espaces perdus. C'est pour nous reconquérir tout espace perdu. Un pays, pas de gagner des zones qui abandonnées, côté vous ne pas vivre en société, à vivre en bonne. C'est pour ça, nous devons mettre toute énergie, tout talent, nous, toute intelligence, nous, tout temps, nous, tout cœur, nous. C'est pour nous accepter, pour nous rentrer dans une dynamique positive, constructive, pour nous qu'aimer formation, nous toujours bien outillés, pour nous professionnaliser, nous, et renouveler, et bien s'annouiller. Je termine, frères et sœurs bien-aimés, en vous disant, recherchez l'ordre et la justice, dit Deutéronome, au chapitre 16, verset 20, c'est avancer vers la paix. La justice et la paix sont inséparables.
L'injustice de notre monde, dit le document du Saint-Pape Jean, Jean 23, Pacem in Terris, la paix sur cette terre. Donc l'injustice crée le désordre. Tant que la justice n'est pas rendue, il est impossible de vivre en paix. La police a besoin donc que les autres acteurs, que le système judiciaire soit mieux organisé pour venir à son aide. La police est subsidiaire, assiste le système judiciaire. Et donc, policier risque la vie, dans l'arrêté au monde, il n'y a pas de problème. Et puis, quand il y a un système judiciaire à guerre, c'est très grave pour la police. C'est pour ça que nous demandons tout acteur doit contribuer pour venir en aide à la police. Pour nous faire, pas nous, œuvre la police. Pour nous côté aide, soutien, solidarité, savoir-faire, nos compétences, nos expériences, nos professionnalisme, nous, avec toute qualité de contribution que la police a besoin. La police seule ne peut pas tout faire, nous le savons, mais elle peut pacifier le milieu ambiant. La police peut agir avec nous tous et là, elle peut réaliser des merveilles. Soubo parle directeur général AI Police Nationale d'Haïti Franz LB dans propos circonstances li remercier gouvernement en place là ak partenaires international yo pour accompagnement yo bay institution PNH là commandant en chef police là profiter mettre accent sur diverses qualités victoires force l'audio remporté dans quatre batailles yo mené contre phénomène insécurité dans pays an. Pèlerin directeur général AI Police là salue courage et détermination chaque grain policier qui fait partie institution an, et puis prêcher yo unité dans tout corps police là. Directeur général AI Police Nationale d'Haïti Franz LB Abdi Plus en micro journaliste en TAC 509. C'est avec un sentiment patriotique et combatif que je me tiens devant vous en qualité de commandant en chef des forces de police pour saluer votre présence à l'École Nationale de Police à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la Police Nationale d'Haïti. Par votre présence, vous témoignez une fois de plus votre engagement indéfectible à continuer à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa création le 12 juin 1995, n'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir, de garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, souvent dans des conditions difficiles liées au contexte sociopolitique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population et notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos valeurs policiers qui se sont engagés dans cette vie de sacerdoce au profit du bien-être commun. En effet, il y a de cela un an, je me tenais devant vous et devant toute la nation haïtienne au nom de l'institution policière pour prendre des engagements de mobiliser toutes ses ressources, de mener une lutte ardue contre les gangs criminels et leurs groupes. Que la paix et la sécurité reviennent dans les rues et les demeures. Grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers, avec l'appui sans faille de la population au regard de la loi, du gouvernement, des partenaires internationaux, nous avons pu aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenues en matière de sécurité, tels que le déblocage du terminal de Paris, permettant la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt a paralysé le fonctionnement du pays tout entier. La neutralisation du chef de gang Timakak et le démantèlement de son gang, libérant ainsi la zone de Thomas-Saint-Laboule pour faciliter à la population de vaquer convenablement à cette maison. La neutralisation de plusieurs membres influents de certains gangs de la zone métropolitaine, de la Thibonite et autres, occasionnant ainsi l'affaiblissement des institutions, des organisations criminelles et constater une baisse considérable des actes de banditisme à travers le pays, notamment le kidnapping durant ces deux derniers mois. Ces acquis sécuritaires n'ont pas été sans conséquences. Ils ont été réalisés au prix
sang, le sang du sacrifice, le sang versé de nos vaillants policiers sur le champ de bataille pour la paix, la sécurité, la justice, bref, pour l'état de droit en Haïti. L'heure est donc venue, à l'occasion de cet anniversaire, de vous demander de vous mettre debout en signe de reconnaissance à nos policiers tombés dans la lutte contre le commanditisme. Aux familles éplorées et à l'ensemble du corps policier, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une nouvelle fois courage, car le sacrifice de votre être cher n'a pas été en vain. Je réitère que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Vous avez droit à la reconnaissance de la nation tout entière et de la police nationale en particulier. Que le corps social haïtien en prenne note. Au nom de tous les policiers et policières, je remercie le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, le président du CSPN, la ministre de la Justice, le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances, pour leur accompagnement au développement de l'institution policière et au bien-être des membres de la police nationale d'Haïti. Par l'augmentation des primes de risque à deux reprises, l'augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la carte de débit, l'institution du décret d'indemnisation à l'intention des policiers victimes des opérations de police et à des ayants droit des policiers décédés au cours des opérations de police. L'implémentation de l'ONAPOLIS, la création de notre coopérative, bientôt opérationnelle, le projet du plan social, du plan spécial de retraite, prévu en trois étapes, une prime de séparation, une rente mensuelle et des avantages marginaux. Les remerciements de la police nationale d'Haïti s'étendent également à tous les autres membres du gouvernement, les partenaires internationaux, les organismes de défense des droits humains et de la société civile, les membres de la presse et autres pour leur soutien continu. Nous tous policiers, femmes ou garçons, la petite population, merci pour support. Pour support dans la bataille que nous menons chaque jour pour la paix et la sécurité. La petite population, merci pour accompagnement sans faille dans le respect de la loi. Côté que la beaucoup met côte à côte à la police, là, dans le respect de la loi pour que nous baillons pays. On souffre pour nous aider la population. La première population, restez quoi la police, supporter la police pendant que nous prenons précaution à intoxication. Pas paniquer parce que victoire, c'est pour nous. Frères et sœurs policiers, commandons-nous fiers de nous et félicitez-nous pour l'engagement et le sacrifice que nous faisons chaque jour pour aider la population à aller en souffle pour mener l'activité libre et libre. En nous étant unis, unité dans la base de la police, unité dans le recommandement de la police, unité dans toute la police. Population, comptez sur nous en paix. En paix, en paix. C'est au moment pour nous renouveler l'engagement comme policiers. Et dans notre policier, nous renouveler l'engagement de la population pour nous continuer à courir chaque jour avec les bandits pour que nous puissions la paix qui permette de nous fonctionner normalement. Nous disons au champ à tous les policiers, nous, au champ pour la population, au champ pour tout le monde qui reconnaît le sacrifice que la police fait et apprécie. Vive Haïti! Vive police nationale d'Haïti, victoire pour nous. N'a toujours été dans même dossier ça, mais fois ça n'a traversé dans département NIP, Jean responsabilité annoncé ça, diverses activités organisées dans département NIP là en occasion 28e anniversaire police nationale là tant coup conférence en débat défilé à kermesse action de grâce qui était chanté dans cathédrale Miragua dans homélie circonstance là révérend père Yvan Voltaire profiter rappeler policier yo qui sa hymne national la vle dit dans sens ça. Père Yves Voltaire profite encourager policiers yo pour yo servir ak sa hymne dit pour capable permettre pays a grandi dans cadre fonction yo. Père Yves Voltaire lui-même cap dit plus nan micro correspondant ak 509 Henri Claude Clercin depuis ville Miragouane. Respecter drapeau cap monter.
Parce que les drapeaux ont monté, qui ça veut dire? C'est même les drapeaux ont filé monté, c'est qu'on sauve les Haïti filé monté. C'est qu'on sauve les PNH là pour filer monter tout. C'est grandir, la grandir, pas descendre, n'a descendre, pas défendre, n'est pas écraser, n'a pas écraser. Nous, ouais, c'est le contraire. Nous, ouais, que nous avons monté de la boîte, mais le pays a lui-même, l'a écraser. Il faut regarder ça que ça, il faut regarder ça que l'hymne national là. L'Eau pour le pays, ça veut dire, c'est dit pour bâtir le pays, pour continuer à bâtir le pays, pour nous continuer à faire Haïti une plus belle, développer Haïti. Alors évidemment, sous pap, sous doux pap travail pour le pays encore. Sinon, mon nom, post-président, premier ministre, etc., ou est-ce que c'est tout, ou bien c'est l'autre bagaille, eh bien, on ne peut pas bâtir le pays encore, il y a un problème. Pour le pays, ouais, pour les ancêtres, nous, pour les ancêtres, ça veut dire, pour nous continuer le travail, les ancêtres, nous devons faire, et pas songer seulement, non, mais continuer le travail, parce que nouveaux héros, nouveaux combattants l'indépendance, nouveaux monde qui a bâti Haïti liberté, c'est nous-mêmes qui nouveaux héros. Et oui, il y a des jeunes d'abord, oui. Jeunes, moi, pas que jeunes policiers, policiers là. Eh bien, moi, pas que jeunes, 25, 30 ans, tout ça. Toutes. Et ils ont été campés pour y avoir. Je dis, c'est tout pas nous. Chaque génération gagne pour continuer de travailler ça. Et nous dit ensemble, marchons unis. On marche ensemble. Ça, c'est grosse difficulté. L'important pour nous rester dans tête ensemble, pour nous rester, pour nous faire une, pour ne pas diviser. L'église, là, pour nous faire travailler ça, les connaît, ça pas facile. En même temps, ouais, Jésus, avant de mourir, l'a prié pour être ensemble dans l'église. Là. Mais en même temps, tout le monde était sacrement réconciliation. Parce que le connaît ses péchés, nous, on a cherché mes divisions, mais quand même, il cherchait mes réconciliations pour nous capables de réconcilier, retourner bien, pour nous capables de continuer à vivre dans l'unité. Et limiter tout, les bons commandements pour nous remettre l'autre, pour nous faire la justice. Et c'est trois bagages qui sont ensemble qui peuvent faire unité à Diam. Et nous dit tout, dans les chanté hymne, surtout dans le couple, nous dit tout, dans nos rangs de traite, pas fait pour qu'un traite dans le temps. Il faut que nous devions veiller ça. Il y a un vagabond qui est déguisé en policier, il a fait peuple pour le policier, il a regardé, on a fait, il faut que nous contrôlions tout ça. Et nous-mêmes, tout, il faut que nos policiers tout bon. Il faut pas qu'un traite dans le temps, il faut que nous ne tournions pas de traite, il faut que nous ne trahissions pas le pays, il faut que nous ne vendions pas le pays. Et ça fait que nous avons chanté l'autre, ça nous dit dans l'hymne national là, que ça nous est la souveraineté nationale là, du sol soyons seuls maîtres. C'est nous-mêmes qui poussons mettre tête, nous, ça va pas facile. Et disons, et pourtant, il y a un pile de monde qui a convoité, qui t'a remé pour un petit pays, ça, non, mais non. Qui t'a remé les richesses que nous gagnons, qui t'a remé pour tout ça que vous êtes capable de joindre, que vous dites qu'il y en a sous-sol, ou bien qu'il y en a dans la main, ou qui tout partout. Et vous avez remé faire ça. Donc, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce qu'on a fait avec eux, nous ne connaissons pas qui gens pour nous servir avec eux, eh bien, gros problème, nous avons besoin de des gens qui vont nous vendre. Nous avons besoin de des gens qui vont nous vendre. Et ils votent pour eux, ils vont l'autre qui va nous recevoir l'autre côté, et puis, problème. Tout ça, c'est le travail de la police pour mettre la sécurité. Et ils ont dit comme ça que dans l'hymne, nous avons travaillé pour Haïti développer, pour le vivre belle. Et comme ça, nous sommes contents, nous sommes toujours fiers de pays noir. C'est une belle profession, policier. Il faut que nous toujours rappelons ça. L'un a bataille pour plus bonnes conditions de vie, pour bonnes conditions de travail. Et troisième et dernier bagage là, c'est ça, nous amis policiers, que nous avons parlé de bail ça. En plus, il dit mon petit cousin, il pose une question. Il dit mon père, oh, ça dit, vraiment, belle bagaille. Nous prenons ça, nous bien contents, je vous dis ça. Mais, nous avons protégé accès à vie. Et nous-mêmes, qui est-ce qui a protégé nous? Comment? C'est une préoccupation qui est la Kaeli, c'est bon ami, une préoccupation qui est la Kaeli. Nous avons trouvé ça belle. La dit, et nous-mêmes, que, ouais, nous avons besoin que vous protégez nous. Et nous réfléchir dans la prière, moi, au fond, et je vais essayer de dire ça, mais nous continuons à réfléchir sur lui-même, nous continuons à réfléchir pour lui répondre à la question pour conclure. Au fond, réponse à une question comme ça, c'est que les gens qui ont servi, les gens qui ont protégé, ça ont servi, c'est eux-mêmes qui ont protégé. C'est eux-mêmes qui ont servi. Gardez bien pour eux. L'offre fait travail là. Qui est-ce qui va servir en premier? C'est bon Dieu. C'est bon Dieu, celle qui va faire la sécurité. Pas parce que les policiers ont des armes, c'est bon Dieu. Bon Dieu, le chef de sécurité. Bon, c'est lui-même qui va la vie, c'est lui-même qui va faire la protection. Commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, qui a participé dans la célébration 28e anniversaire police nationale d'Haïti, a fait connaître qu'il n'y a pas fait collaboration entre lui-même et la police. Commissaire a souhaité abonner ça, continuer dans le département, dans le souci pour être capable de faire la population. Puis bon service, commissaire Jean-Ernest Muscadin, et dans micro correspondant à 509, Henri-Claude Clercin, depuis Ville Miragouane. La police en général, nous avons une collaboration. Pas que PAMNAP,
police nationale, nous avons une étroite collaboration. Commissaire Muscadet avec le directeur de la police NIPLAN, nous avons une étroite collaboration. Donc Muscadet sont allés sur tous les policiers dans le département, ils sont allés sur pour l'institution policière en général. Donc là, je suis campé avec eux, je suis toujours sécurisé, je suis toujours campé à côté, je suis toujours protégé, je suis toujours participé dans toute coopération qui a fait pour nous délivrer le pays. Qui est-ce que vous avez que la police tombe, bon, c'est bien malheureux. Et quand même, nous avons pris le courage, nous avons pris le policier au courage, mais sauf que nous avons continué la bataille pour que la police tombe pas tombé encore. À qui sentiment vous avez fait avec eux, je vous dis à faire 28 ans, même si la femme de Timoun, à cette époque, la police a décrit hier. Mais quand même, son plaisir pour moi avec eux, pour me fêter avec eux aujourd'hui. Et ma petite là avec eux, tout autant qu'il y a pour fêter, tout autant qu'il y a là comme policier, qui travaille comme sécurité pays. Comment sécurité a-t-il? Sécurité qui taille. Donc, sécurité qui taille, a fait bandit, voler, négazam, pas que ça même. A fait question de négazam, négazam, fait kidnapping, négazam, tuer, négazam, violer, pas que ça comme ça. Moi-même, je dis que la police là, nous travaillons deux concerts, 2-3 heures du matin, nous dans la rue, nous avons checké les vagabonds, nous avons checké et intrigués. Nous avons dit qui. Jérôme qui travaille, nous avons SDPJ qui travaille, nous avons une police de circulation là, 24 sur 24, qui a checké dans l'arrière. Moi-même, moi là tout, comme commissaire gouvernement, moi accompagne pour que nous renforcions la sécurité dans la ville là. Et nous avons une sécurité à taille, tout le monde qui a comme commissaire gouvernement. Qui est-ce que vous avez à nous? Au courage, je vous prie dans tout. Vous voyez, faites très réactif, parce que ce n'est pas facile de voir. Vous pouvez mettre un peu de maille. Sous bon message, vous voyez. Nous continuons nos informations pour attaquer les gens à Boulet Rouge. N'a quitté département NIP pour nous faire un coup de pied dans le département Nord-Est paysan côté examen intellectuel pour recruter 33e promotion PNH là réalisée hier dimanche 11 juin 2023 sans aucune difficulté dans le département Nord-Est là. C'est environ 229 jeunes parmi eux 13 femmes et 169 garçons qui subit examen si la yo dans le département si la. Correspondant nous dans le département Nord-Est là, Chino Rosseni Abdi nous plus dans yon papier. Examen intellectuel pour recruter 33e promotion PNH l'an réalisé sans aucune difficulté dans le département Nord-Est l'an. D'après un communiqué qui sorti dans la direction départementale la police Nord-Est l'an, dimanche 11 juin 2023, dans le local lycée Paul et Jeune Magloire Fort Liberté, environ 229 jeunes, parmi eux 13 femmes et 169 garçons, qui étaient sortis dans différentes communes dans le département Nord-Est l'an, qui voulaient intégrer la police nationale d'Haïti. Tessibi pendant 30 minutes en test intellectuel yo examen silayo te réalisé sous supervision commissaire divisionnaire Marc André Cadoustin qui c'est directeur départemental la police Nord-Est inspecteur divisionnaire Sylvestre Jérôme qui c'est responsable bureau recrutement à Caen au commandement PNH dans le département Nord-Est pendant a fait remarquer sur 257 inscrits c'est seulement 229 qui rivaient sibi examen intellectuel yo pour recruter 33e pour motion PNH là qu'a réalisé dans un contexte difficile côté gang améo continuer à simuler la trouble dans pays a depuis Fort Liberté chef lieu département Nord-Est pays d'Haïti Chenon Rosné pour TAC 509. N'a quitté département Nord-Est là pour nous casser tête tourner dans pays d'Haïti sur ça qui gain pour avec question politique mais nous connaît que dans date 11 ans pour arriver 13 juin gain une équipe politicien qui débarqué dans pays Jamaïque dans cadre d'un dossier pays d'Haïti. Nous pas vin ici là pour recevoir dictée aucun monde. Nous pas vin ici là pour négocier un nouveau accord plus. C'est déclaration premier ministre de facto à Dr. Ariel Henry dans discours li dans rouverti chita tande à acteurs politiques haïtiens yo dimanche 11 juin 2023 dans pays Jamaïque. D'après locataire primatif République là, pays d'Haïti compte jeudi jodian deux groupes acteurs qui râlent cordio. Yon parti qui voulait prendre pouvoir sans yon pas passer dans élection et qui même comptait vin président ou bien premier ministre en pays a pour régler propres affaires personnelles yon chef gouvernement qui pas suspend plaider en faveur yon dialogue haïtien pour retirer pays a en bas crise lié jeune jeudi en nous coûter yon bout dans discours premier ministre de facto à Dr. Ariel Henry depuis Jamaïque. Tous ceux qui sont là, so much pain and heartache. Everyone who's here has seen the great untiring efforts to have a discussion in order to build a wide-ranging consensus with all of those who wanted to find this consensus. You, the friends of CARICOM, who are facilitating this process,
should know that over the last 20 years, we have had discussions, we have had negotiations, and we have convinced the political actors as well as the civil society in Haiti, so much so that on the 11th of September 2022, there was an agreement, a political agreement, to deal and we were asked therefore to have a wider consensus, and of course this was in keeping with our vision to set up the networks and to deal with the all of the different political differences. So with the rest of the government, we called upon other actors from the civil society as well as major actors in the private sector. We asked them by signing on the 22nd of December 2022, a document that we called a National Consensus for an Inclusive Transition and the Holding of Transparent Elections. Some of our compatriots did not wish to join this movement. However, this new agreement led us to help us to set up the Council for the transition. However, it became more difficult to continue a dialogue with some actors, some stakeholders who did not wish to take part in the discussions or concerted action. In the Council of Transition, part of the mission of which is to find a greater, wider consensus, they decided to organize on the forum in May to have a political forum on security, constitutional and electoral reform, good governance, as well as economic and social measures to be undertaken. As part of this participation, as far as participation was concerned, it was a great success, even though some compatriots did refuse once more to engage in dialogue. From this forum, there was a joint declaration and calling on the government to go forward and to bring about all the necessary conditions to hold a general election. In my speech and address to that forum, I once more tried to hope with both a brotherly, fraternal hand to all of my compatriots, to all of those members of my country, people in my country who were committed to democracy so that we could try as quickly as possible to bring about democratic institutions. I therefore would like to have a friendly reproach to my friends from CARICOM to make. Mais malheureusement, le groupe des éminentes personnalités, je me faisais un peu plaisir d'accueillir en Haïti, n'ont pas répondu à l'invitation de participer au forum politique. To welcome members of the group of eminent persons to Haiti. Mais je suis certain que ce n'est qu'une partie remise et que très bientôt, nous rendrons visite. Very, very often, very soon, je saisis l'occasion pour féliciter la CARICOM qui a réussi à convaincre les uns et les autres à venir ici. Cette belle ville de Kingston, and I'm so happy that the members of the CARICOM have convinced all the other stakeholders Monsieur to come to this beautiful Président, city of Monsieur Kingston le Premier ministre, to have this discussion. Honorable Prime Minister, Madame la Secrétaire Générale, grâce à vos efforts Secretary et à votre General, détermination, your vous avez pu convaincre les uns et les autres que la solution rapide, la solution durable pour Haïti, long-lasting solution in Haiti can be brought about through commitment and dialogue. This is a first step, and I hope that there will be others who will allow us to go and go through all of the stages necessary to rebuild our country. Je suis venu ici au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. To represent the government that I have honor to lead. I have no wish to reproach certains anyone. Pensent que l'exercice que nous allons faire ici est inutile that we're having here et ne mènera à rien de tangible en plus. Tangible. Parce que nous voulons faire la même chose think. Il y a deux semaines à Port-au-Prince. Indeed, et que nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à négocier et à discuter. And we cannot continue indefinitely to negotiate. However, I think that each time people of Haiti sit down to discuss and deliberate,
every time that tout le monde sait qu'aucune solution durable pour Haïti ne saurait venir de l'étranger, ni être imposée par d'autres, neither can it be imposed by others, whether they be from the CARICOM or elsewhere. It is up to us, the people of Haiti, de trouver entre together amongst ourselves, through our own efforts, to find a national, common, national project which will bring us together and to politicien haïtien pa bon ici de changer position tant cou c'est là y a changer chemise yo sans position je ne jodi an yo nan yon camp demain yo traverser nan yon l'autre camp c'est yon série a tête k'ap chercher côté de l'eau couler pi frais pour propre intérêt yo yon situation k'ap prend plus sans j'arrête depuis après assassinat président Jovenel Moïse qui montrait à clair pas gagne une bonne opposition k'ap contrer carré pouvoir pour bonne marche institution républicaine yo c'est plutôt peuple qui cap souffri sans secours personne. En suivant reportage à collaboratrice non Adiani Oximabla Saint-Fleur pour TAC 509. Le gouvernement qui assassine un bâtonnier derrière le caillou président, son gouvernement criminel, son gouvernement assassin, pas rien ou capable de faire avec un gouvernement comme ça. Ça, c'est voix porte-parole secteur démocratique et populaire là, M. André Michel. Là, nous n'en fait année 2019, l'opposition était en flamme dans une bataille serrée côté le tap mandé démission ancien président Jovenel Moïse. Pas de possibilité pour une cohabitation avec un gouvernement criminel, pas de possibilité pour une élection, c'est transition liée dedans. Dans l'époque ça, président Jovenel Moïse était cémenté 7 fois 77 fois et li pa quitté pouvoir by personne sans pas gagner un dialogue. Je nous suspend. Ça n'a pas fait, nous commençons à faire trop longtemps. N'a fait, depuis 17 octobre 1806, nous tuer des salines. Depuis le ça, nous pas jamais suspendre faire. Je dis à nous-mêmes, petite chère, qu'à l'école, nous disons d'assier. Et nous dit tout le monde campé. Frenez, c'est en tant que nous besoin. En tant que nous rouge, en nous noir. En tant que nous riche, en nous pauvre. En tant que nous la ville, nous en dehors. C'est ça nous demander. En tant que diaspora, nous qui vivons en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui n'a fait. Opposition en sous-bopal, pas trop elle pas tendé, c'était mobilisation générale qui t'a pogné à un seul objectif pour forcer président quitter pouvoir parce que d'après yo, pap ka gen chita parler à qui yon président corrompu. Rappelez, bataille nous c'est pour respect la loi, c'est pour respect constitution. Le 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse a fini. Et avant 7 février 2021, n'a pas renversé. Mobilisation par-ci par-là, lock, ferme pays, campé des barricades, c'était seul refrain opposition dans l'époque ça. 7 juillet 2021, nèg examen entre la kay ancien président Jovenel Moïse assassiné dans Pèlerin 5. Pour qu'on y a, pays a sans président. Mais, avant de mourir, l'ITEG est nommé premier ministre Ariel Henry qui t'a pris le remplacé ancien PM Claude Joseph dans tête primatia. Après l'assassinat, l'opposition a participé à monter voile pour dire, depuis Jovenel Allais, pays a pral bien fonctionné, mais hélas, tout bagaille vint plus difficile, la vie a vint plus chère, à ta même phénomène banditisme, à Piaya Kol, dans le pays a pi bien. Les Haïtiens, gardez calme nous. Parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre nous réunit, je ne sais tout à l'heure, dans strict application de l'article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Le président Jovenel Moïse n'a pas mouru sans le pavé de justice. Pour qu'il y ait le président Jovenel Moïse, on va pas qu'il y ait l'idée. Pour qu'il y ait, je vais chercher ma opposition sous béton, tant que d'hydrogène, je ne pas qu'il même opposition ça qui pas de chita avec Jovenel Moïse là al chita ak yon premier ministre Jovenel Moïse te nommé secteur démocratique là si un accord entre dans pouvoir elle même arrivé à révoquer ministre nous si un accord politique ça pour nous mettez en bande monde derrière dans l'état nous si un accord politique ça pour nous mettez en bande vagabond derrière dans l'état. Est-ce que ça nous fait? Nous mettons Bedford dehors. Oui. Nous révoquons Raphaël Vincent parce que c'est monsieur qui est un prisonnier politique dans la prison. Oui. N'a pas rappelé,
Politicien ici changer position puis red passé Jean au changer chemise sou yo. Jodi a yo nan yon camp, demain yo nan yon lot camp. Takoun ta di, y a chercher côté de loi coulé pi frais pou yo. Alors que yo toujours dit c'est pour peuple y a bataille. En tout cas, chaque coucou y a clairé pour jé pendant peuple là. C'est celle perdant. À Diani Oximable, Saint-Fleur, TAC 509. Coalition militant engagée qui gagne en tête li Jacques Loubert Jean-Charles comme membre qui te prend la parole samedi 10 juin 2023 fait recommandation sous divers points dans quatre demandes et strictia si toutefois t'as gagné un nouveau accord politique qui fait dans pays pendant le fait qu'on est mission militant yo c'est pour te yon réponse concrète ak vie pratique dans politique pays d'Haïti. En suivant reportage avec journaliste TAC 509. Yo c'est plusieurs citoyens qui fait partie diverses organisations sociopolitiques tant qu'au Basfil aéroport Mosnak Ripep Galette Canapé Vert Réveillé Force Croix des Bouquets Association Jeune Greffin Mouvement Jekale Kripep pour ne dire ça seulement qui forment une coalition militant engagée qui a pour objectif combattre mauvais dérives qu'a fait dans système nan et puis pour bail une réponse à vie pratique dans politique pays d'Haïti. Jacques Loubert Jean-Charles c'est une membre coalition an, accompagné plusieurs autres membres même strict sociopolitique ça organisé week-end samedi 10 juin 2023 dans capitale là yon chita parlé sous conjoncture actuelle pays a ak situation militant politique yo. Jacques Loubert Jean-Charles a expliqué importance ak objectif conférence ça. La petite conférence jodia c'est une réponse militant décidé porter ak yon vie pratique dans politique pays d'Haïti. En même temps, conférence ça c'est une mise en garde. Ça veut dire qui ça? Tout le monde connaît. Les bagayo ap mal marché dans pays a, militant c'est nom, c'est force dénonciation, sensibilisation, mobilisation ak manifestation. Militant toujours là pour réclamer inclusion ak justice sociale. Yo toujours là pour demander pi bon service nan men l'état, respect droit moun, liberté citoyen yo, bien vivre pour tout moun. Militant toujours là pour exiger punition selon la loi pour tout corrompu, tout criminel, tout doit long dans l'état, tout massacré. Et c'est toujours militant qui prend gaz, qui prend bâton, qui prend prison, qui prend balle. Yo mouri pa bande ak paquet. C'est pas journée jodi à travers mobilisation qu'a fait dans pays d'Haïti, militants politiques yo ap sibi mauvais traitement. Cependant, gros politiciens ak levit yo pa montré importance yo, c'est toujours mettre majorité nan yo sous côté nan moment gen rencontre pour dialoguer sous crise pays ya d'après Jacques Loubert Jean-Charles qui pat mette de l'eau dans bouche li pour te expliquer ensemble raison sous situation ça pendant te profiter salier mémoire si là qui déjà fait voile pour pays sans chapeau. N'a profiter salier mémoire tout ça yo qui allait devant. Pourtant depuis gen causé chita pour dialogue, militant c'est ravet, militant c'est tête cana, yo pas ka monter ta. Nous comprendre raison an. Dialogue soudé ak bébé, c'est poussière dans GPEP, c'est cambise pour aloufa. Mot dialogue ça yo permettre système pesé sous ce système corrompu criminel raïssable là, joine une façon pour renouveler tête militant toujours absent dans dialogue ça yo comme si yo pas dans l'école yo pas gain bon sens à quoi politique pas suspend pour cet coup djon pour même coalition militant engagé yo t'assembler tout accord ça yo pral en désaccord qui donc y a bout côté yo ye ya c'est dans souci ça yo fait connait pas ka gain aucune transition cap réussi si pas gagné un consensus d'après même strict sociopolitique ça Jacques Loubert Jean-Charles qui fait connait recommandation yo c'est un exécutif qui jita en bas l'esprit constitution 87 là. Deux, un gouvernement qui a mis tout secteur en confiance, à qui on fait des routes, qui a garanti demain Haïti à tranquillité tout citoyen. N'a voyé un signal clair pour Kaba impunité qui a défini un type de coopération internationale là, qui jita sur un appui technique, une assistance financière qui n'a pas de couleur à charité. Et puis, cap initier quelques réformes institutionnelles pour organiser dans un délai qui pas trop long dans pays à élection générale que personne pas contester. Jacques Loubert Jean-Charles, si toutefois revendication ça yo pas arrivé respecter dans cadre accord ou parler à. C'est qui sa coalition militant engagée au pral faire dans cadre demande ça.
N'a pété en garde tout expert dans négociation yo. Si un accord sorti, il pas gain revendication ça yo. Mobilisation a continué qui raide et il pas camper tout autant masse yo pas joindre satisfaction. C'est peut-être ça coalition militant engagé. Voyez ba toute structure dans la société civile là à tout groupe qui dans scène politique là, un document yo relé cri militant engagé. Pour personne pas dit yo pas de connaître. Bateau pays a pas gain droit couler. Tout monde d'accord. An met grand monde sous nous. Haïti pas péri, vive ancêtres yo, vive masio. En tout cas, créole parler, créole comprendre, c'est pas yon trac ni voyer monter, c'est plutôt cri coalition militant engagé qui lance yon message clair by autorité concerné yo qui prend initiative créer accord sur accord dans pays a qui pas gain aucun intérêt pour peuple là. Fois ça, même coalition yo fait connait pas gain aucun accord politique qui vinn pousser là sans que revendication yo pas respecté. Luc Albert Beaubois, TAC 509. Dossier justice n'a toujours été dans le département l'Ouest là, réseau national Pléian Petro-Caribé, RNPPC, Sainte-Cale l'Évêque, SKL, Force 157, c'est quelques parmi plusieurs organisations qui baillent tête yo mission pour forcer la justice haïtienne faire lumière sur dossier Petro-Caribéa dans une conférence avec la presse. Jeudi lundi 12 juin 2023, ensemble Strictis sa yo mette tête yo ensemble pour relancer bataille pour permettre procès Petro-Caribéa arrive fait dans objectif pour juger et puis condamner tout le monde qui complice dans gagoter plus passer 4 milliards de dollars vêtements qui étaient investis pour permettre un bon genre développement fait dans le pays d'Haïti. Directeur exécutif Sainte-Cale l'Évêque la Pégardi Maisonneuve li mande population pour lever camper prendre destin yo en main pour bailler pays à yon l'autre direction. Dirigeant Sainte-Cale l'Évêque la Père Jean-Gardi Maisonneuve a porté plus en précision dans micro collaborateur non Jacques Smith. Et jodi a n'a lancé un mouvement même en 2018 population a t'a demandé côte cop Petro-Caribéa c'est comme si t'a cherché côte cop là et te gen en pile diversion qui fait c'est comme si cop là pas tout cop n'a demandé a ou bien moun y a dit qui volait cop là c'est de moun y a fait des persécutions politiques c'est de l'autre groupe moun qui parler de cop là et puis qu'on y a là nous voit que zin a commencé péter dans la rue nous voit côté cop là. C'est ça que fait Napman de fort bois calé, pas de préjugés. Faut lire encore tout bandit. Bandit à sa patte, bandit à soulier. Tout le monde qui mette pays à la misère côté le trouvé là. Côté un journaliste en quoi Astrel Jean-Brice, malade, il n'y a pas qu'à venir 5 000 dollars pour aller à l'hôpital. Côté Gondal Moun qui vole tout comme là. Et côté pays à la misère, la fatra, la boue. Côté moun pa gen l'école et nous mande population l'autre fois faut lever camper faut pas dormir. Nous constatons l'autre bagarre encore de pour parler de cop Petro-Caribé ou dans l'insécurité. Donc n'a mande population j'en te fait fin mois d'avril là, c'est lui qui gen destin la main. C'est lui qui connaît comment pour bailler tête de sécurité parce que majorité moun qui au pouvoir à l'heure actuelle, c'est des moun qui défendent zap ça. Go gaspillage ça, go vol ça, go corruption ça, qui fait sous l'argent ça, c'est eux encore qui au pouvoir. C'est PHTK, troisième version. Donc nous-mêmes, avec toute association qui avec nous, nous-mêmes dans Sainte-Cale l'Évêque, nous disons que faut payer ça pour l'autre direction. Il y a trois assassins, il y a trois voleurs qui sont dans la rue et qui font mal, qui volent et qui empêchent le pays à développer. Nous croyons que l'heure, le temps pour le pays a changé. Pour changer ces populations, pour prendre la main. Donc, c'est pour ça, je dis à nous faire conférence de presse, pour nous dire bataille, campement des côtes comme Petro-Caribé. Pas camper, parce que quand il y a blanc, commence à aider nous, il commence à dire nous. Il y a des gens qui ont au moins, j'avais dit pour Pibiti, 60 millions la main. Gen moun ki gagne l'autre comme encore la main. Vous avez dit nous commencer gagne indication côté comme là. Ça veut dire nous compte côté qu'on y a nous ca chercher comme là. Donc de ce fait, c'est ça fait moi nous même nous là aujourd'hui pour nous lancer l'autre mouvement et après pour nous dire que grenadier à l'assaut. Donc faut nous joindre comme ça qui dépenser là que jusqu'à présent n'a payé le budget d'État. Merci. Ancien avocat peuple, maître André Michel, pas fait partie bloc avocat, cap défendre dossier Petro-Caribéa encore, selon coordonnateur général réseau national Pléian
Petro-Caribia, M. Maurice Noël, qui rappelait, depuis yon l'année, c'est M. Marc-Antoine Maisonneuve qui gagne responsabilité pour défendre un dossier ça devant la justice. Malgré toute pression et persécution, y a si bien ensemble, personnalité, ça yo engagé yo pour continuer à mener un dossier Petro-Caribia jusqu'au bout, d'après M. Maurice Noël, qui longe doit li bien long, sous plusieurs hauts fonctionnaires l'État, sous régime PHTK, d'après lui-même, qui participait bien fort. Nan gaspillage fond Petro Caribéa. Plus détail à coordonnateur RNPPCA, M. Maurice Noël, qui était dans le micro, Jacques Smith. Réseau national, très brillant, Petro Caribé, salier la presse en général. Presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. C'est un moment qui est décisif et pour que nous saluions tous dirigeants, plaignants, avocats, nous. Et dès maintenant, nous gagnons un grand avocat. Qui relaie Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui est avocat pliant Petro-Caribé. Elle dit que c'est pas Kounia à nous dire, grand pile journaliste, qui est au courant depuis un an que nous te mettez l'autre avocat que nous te gagné dans le dossier Petro-Caribé, qui te relaie André Michel. Et nous te font conférence de presse, nous te fouché d'ailleurs, qu'il n'a pas fait partie avocat ni réseau national pliant Petro-Caribé. C'est ça que fait Jodia, nous présents, qui n'a continué à demander avec même fougue là, malgré pression que nous avons subi. Il y a pile dans l'eau qui marron, il y a pile dans l'eau qui mourit tout, qui est en prison. Mais nous qui là, nous avons continué à demander, qu'on y a assez marre volé, c'est pas dénoncer seulement. Les nous avons de Laurent Lamotte. C'est un monde qui détourne presque 1 milliard de dollars dans l'argent de Petro-Caribia. Ça ne va pas de tabac là. Il dit plus que 60 millions de dollars sont mon épice. Majorité cobla dans mes volets. Côté Matéli, je ne vais pas dire rien pour Matéli. Côté Sofia Matéli, qui a 400 millions de dollars dans main pour te faire. Pour que tu maman chérie, tu papa doudou. Côté Olivier Matéli, qui n'a pas même travaillé un jour et qui a plus de 80 millions de dollars dans main. Qui s'est réglé avec pour te renouveler le terrain de football. Tout le monde connaît, tout journaliste connaît, le peuple connaît, qui s'est Olivier, réglé avec 480 millions de dollars. Je dis, hein, nous, pas prêts à dénoncer seulement. C'est une raison qui fait nous demander CSPJ, la Cour cassation. Nous avons action en dessaisissement depuis en décembre 2019, qui n'en met la Cour cassation pour nous réquiser Ramoncite. Nous connaissons Ramoncite, là, c'est une dans nous qui a cautionné. Par exemple, nous avons année passée, Laurent Lamotte, depuis 6 heures, il est dans le paquet. 6 heures, oui, c'est lui qui a parlé paquet. Eh bien, 10 heures, il a fini, monsieur Fintandel, la monsieur Fintandel, après ça, il prend l'avion, il retourne dans la Cali. Pendant ce temps, tout le monde a mouru, sac dans la crasse, dans la boue, dans le gangou. 4 milliards de 100 millions de dollars dans mes volets. Faut que nous jouions comme ça. Et nous créons, nous connaissons, nous avons subi des pressions. Et nous créons, nous n'avons pas de problème avec ça. L'argent Petro-Caribé. Qui a dit quatre grands axes, agriculture, éducation, infrastructure, la santé. Eh bien, nous voyons l'hôpital général, ça a passé. Nous voyons le ministère de l'éducation nationale, nous voyons comment, professeur, il a fait un an, deux ans, il n'a pas touché. Côté comme ça, côté comme là, là. Eh bien, ça qui est important aujourd'hui, nous, au niveau réseau national, de Pléan Petro-Caribé, qui est SASKL, Force N157, que nous demandons directement. Nous demandons. Pour que yo désigne yon l'autre juge dans le dossier Petro-Caribé. Rapide vite. Toujours dossier Petro-Caribé, phénomène gang armé cap poussé en coup John John dans quatre coins pays d'Haïti. C'est une stratégie régime PHTK utilisé pour empêcher procès Petro-Caribé arriver fait selon nouveau avocat cap défendre dossier cela, M. Marc-Antoine Maisonneuve qui profitait dénoncer manœuvre cap fait dans la justice là yon façon. Pour bafouer dossier, c'est là, dans ce sens, homme de loi, encourager peuple haïtien, lever campé pour débarrasser PIA à pouvoir de facto en place là. C'est celle façon qu'a facilité procès Petro-Caribia rive fait. On écoute plus de détails avec M. Marc-Antoine Maisonneuve qui était dans le micro, journaliste TAC 509. Conférence à raison, c'est précisément annoncer la reprise des mobilisations ou la réalisation du procès Petro-Caribé. Mais et comprenez bien, parlant de ce dossier, il y a deux grands facteurs qu'il faut souligner
Si nous besoin comprendre parfaitement bien qui ça qu'a fait dans dossier ça, côté dossier ça y est et qui a venu dossier ça, c'est-à-dire ce qui ça a débouché. Les deux facteurs qu'il faut souligner dans ce dossier pour nous arriver plus ou moins comprendre, un, c'est la question de la gangstérisation de la République d'Haïti. Ça me le dit pas là. Je le dis pas là que yon l'un facteur qui ont poussé les hommes du PHTK à gangstériser le pays, à faire de pays à un enfer pour la population, à faire la population toute la journée, à voler, aller quitter le pays, gang l'andada nous toute la journée, c'est affaire Petro-Caribe ça. Parce que comprenez bien, après, nous avons fait des milliards. Nous ne sommes pas en train de parler de millions, non. Nous sommes en train de parler des milliards de dollars. Nous avons une grosse tête chargée. Nous avons tout rappelé après que Matéli a fini imposer Jovenel Moïse à Ariel Henry, que Matéli avec Ariel Pral touillé Jovenel après. Grosse discussion a fait dans la résidence privée de Jovenel Moïse sous dossier Petro-Caribe ça. Côté Jovenel Moïse était cimenté par Matéli et que s'il continuait en Medel, l'a quitté procès Petro-Caribe a fait chimel. Et que pour monsieur parlant courir, pour monsieur yo qui a parlé en tête chargée qui ça ouais, il dit bonne gang sécurité pays, bonne intimider population, bonne la gang dans dada population. Ça c'est très important pour nous convaincre. Deuxième facteur pour nous souligner, c'est que alors, son facteur tout, et nous te qu'a dit par lequel s'explique un petit silence côté où on te fait dans le dossier ça. Qui facteur lié? Ouvrez grands oreilles pour qu'attendez ça nous va le dire là. Et malheureusement, nous avons quelques personnes dans la société qui ne peuvent pas comprendre qui ça lié. C'est un bagage nous avons l'habitude de répéter. Tant que les criminels du PHTK se retrouveront au pouvoir, tant que Ce monsieur Ariel Henry, Matéli et l'autre criminel ça, qui a pouvoir dans main, le procès Petro-Caribe ne pourra pas se réaliser. Parce que comprendre bien, si c'est eux qui mangent l'argent, c'est eux qui dépatchent l'argent, il y a une possibilité pour quitter la justice fonctionner ou bien paralyser. Il y a une possibilité pour nommer un juge honnête ou bien nommer un juge corrompu. Même avec quelques lanceurs, il y a eu courir à gonfler la cour de cassation avec la cour d'appel. Eh bien, pas tant pour des imbéciles, il y a pour une décision qui favorable à eux-mêmes. Qui ça vous fait? Pour qu'à bloquer les bagages, ça yo, yo rempli un paquet d'instances. Yo rempli un paquet de cours avec juge qui se reste avec eux pour qu'à bloquer le dossier. Tenez bien, nous-mêmes, j'en toujours dit là, nous dit d'abord, bon transformation qui vous faites au niveau politique. Bon bataille politique qui supposait faite pour la population d'abord débarrasser le pays de M. PHTK Sayo, administration publique là, de M. PHTK Sayo. Et bien c'est à partir de ce moment-là, ensuite, on a une possibilité pour procès ça réaliser. Mais ça qui est plus important, ça. Dans le coup de pied dans le département, la Tibonite PIA, sous ça qui est pour avec question insécurité, bandit, base, grand griffe, ça vient pas suspendre, terroriser certains monde qui vivent dans le département, la Tibonite là, et spécialement c'est là qui vivent dans Boukti Rivière, la Tibonite, yo, habitant 3e à 4e section. Ti Rivière la Tibonite relé en moi contre bandi Palmis ak sa vien. Yo di ka fè yo monte yon calvaire pa do chaque samedi ak mercredi le yo pral chercher la vie nan marché public an Ti Rivière la Tibonite. D'après ça yo fè konnen bandi yo volé en pile marchandise yo pote pour vendre. Cependant kek nan ti machan yo sibi ka viol en bas main bandi sa yo. Désir Venesse depuis Ti Rivière la Tibonite a ban plus détail sous situation zone sila. Femmes actifies qui vivent dans la commune Ti Rivière la Tibonite et spécialement dans Boukla, pas suspendre connaît moment difficile ak malouk en bas main bandi sans foi ni loi cap opéré dans gang grand griffe dans sa vient ak bandi palmisio. Bandi yo utilisé toutes armes que yo gagné pour faire pression psychologique sous jeune mesdames yo dans l'idée pour cal coucher yo. Yo rivé sous motocyclette ou bien sous machine longe téléphone yo ba jeune ti mesdames yo pour mettre numéro téléphone yo après yo exige
rive yo di yo yap tan yo nan baz. Situation sa la koz, maman ak papa pitit ki nan sandbouk ti rive la Tibonit oblige ap fè ti medam yo kite l'ekol nan bouk la kouri al kache nan mon pou yo kapab sove pou yo an ba bandi gangrif ak palmis ki vle viole yo tout jan, tout fason ki yo jwen. Maman ak papa pitit yo pasispan mande ak minister kondisyon fam ak doa fam pense ak situasyon fam kap viv nan komin Tirivye la Tibonit kap pase an pil mouve mouman an ba situasyon ensekirite ki egziste nan komin nan koralisyon soldat peyizan nan la Tibonit ak selil rezistansyo deside preyon lot dimansyon nan batay ki ap fe kontre zo gang gangrif nan sa vyen an kote yap mache cheche fami bandiyo nan vil Saint-Marc ak lot vil ki antoure rejon Balatibonit la. Chef koralisyon soldat peyizan nan rejon Balatibonit la ti mepri mete men pandan wikend nan sou yon nan se yon nan nimeyo 3 gang savyen ki rele dede an pil moun konen sou non nek grenad la le ti mepri rive nan baz li ak li li kesyonel sou lien parente kel genyen avek dede madame nan avek Dlonanje li te ou di wi kel rele tamen chwazi menm sinyatu avek nimeyo 3 gang savyen ti mepri te wè madame nan c'était Dlol ta bat pou le febe li fè le cadeau 5000 goud et puis il te dit tourner la kaili c'est juste pour te montrer avec réseau gang ça vient k'ap fè Dlo koule nan jemoun chaque jour yo konnen côté famille yo moun nan ville Saint-Marc fè kwè c'est réseau gang ça vient pas suspendre terroriser population et même yo même empêcher évacuer ak activité yo yo fè kwè y a marché prend toute famille yo ki nan ville Saint-Marc la Désir Venès Tirivye la Tibonit cité Crète à Pierrot TAC 509. Dans le département nord-ouest, ville Port-de-Paix, agent police nationale d'Haïti, dans le département nord-ouest, la blessé mortellement Kerbi, alias Amawil, qui est un chef rebelle. La police a cherché un couchin fou. Dans la communauté, si la incidence arrive produit dans la zone La Tendrie, une localité dans la ville Port-de-Paix, côté la police accusé Amawil comme moun qui t'a semblé impliqué dans divers actes malhonnêtes, tant que vol, viol, braquage, pour nous dire, ça y est seulement. Jebson Petit, c'est correspondant à 509, Abdi nous plus. Dans le cadre d'opération agent PNH, mais pendant le week-end, nan, rive mette men sou Kerbi alias Amawil, yon bandit nou 3 qui a diverses accusations sous doli, tant que braquage, viol, vol à Miami, etc. Cependant, Amawil li même l'étape prend plaisir li nan anti match football qui t'a organisé dans la zone La Tendrie, yon localité dans la ville pour de paix, yon coup de arrivé fait sous chef rebelle là, côté agent PNH qui t'a cherché li t'a couché en fou tout profil. Profiter occasion poser la patte sous lit ça mandel dès qu'il prévient dès qu'il manigance à Amawil recevoir diverses cartouches côté pour qu'on a parlé à là li a fait connaissance avec maître baron yon lot bord la justice avec la police dans ville pour de paix mandé pour bandi yo chercher un lot travail pour faire si nous gagne un seul choix c'est aller tout droit devant maître baron l'important pour nous faire connaître malgré tout travail PNH a fait dans département nord-ouest là gagne diverses zones qui en pile monde considéré tant que zone accès difficile côté la police là pas présent dit tout et puis bandi a fait ça au vle département nord-ouest ville pour de paix Jebson Petit TAC 509. Dans le sud pays a gagné deux présumés bandits qui t'a fait partie base 5 secondes qui mouri en bas coute roche à coute manchette en bas main population Caïman qui c'est une localité dans 3e section communale Chantal action s'il arrive fait après bandit yo t'es fin touyé à coup de pique yon paysan qui potait nom Rodrigue ainsi connu pendant l'état pral dans jardin selon déclaration madame victime nan qui était inconsolable cap expliqué dans micro Jean Vanel Soliman depuis métropole sud pays d'Haïti sorti même tu peux pas partir on a fait un petit temps pas ouais là tout ça on connaît la ville comme les qu'on habite un petit temps d'ailleurs on est là pendant moi la cuisine m'a fait manger une grosse amie qui part côté qui relève lui dit Michel côté Rodrigue on dit Rodrigue pas là non lui dit depuis qu'il est sorti on dit Rodrigue sorti un petit temps il fait des Il dit, est-ce qu'elle va rentrer? Moi, je dis non, il va rentrer. Ah, est-ce que monsieur Guéjardin? Car Guillaume, il dit, on dit, il est là, Guillaume.
officier en l'air pour dire qu'on ne peut pas tirer. Il dit pour ça. Nouvelle plan. Entendez au dit, mais on dit que mourir, oui. Il dit bon, c'est pas vrai, non, pas quoi. Parce qu'on dit que c'est tout côté maintenant là. Pas qu'on dit qu'à mourir. Tiens, si on dit que mourir, est-ce que c'est un roche qui vous laisse pour manger? Ou bien est-ce que tu as vraiment des têtes passées en l'air là? On dit que mourir. C'est le malin pour courir. On part dans la rage. On caille, mais c'est qu'on a pitié passé. On fait pas tirer, il me passe là. Marel, on a le malin pour courir, mon tout le monde. Cette tête tournée dans l'Ouest pays, plus particulièrement dans la ville Akaye, côté que président coordination Kazek, commune Akaye, Koka Jean Monax, innocent déploré façon gouvernement Ariel Henry a traité Kazek yo. Kazek section Fond Baptiste l'a fait connaître. Il y a presque 3 ans depuis qu'il n'a pas recevé un goud dans l'État central. Et puis Kazek n'a pas jamais joint un projet pour réaliser dans la section. Il y a l'autre bord, Jean Monax, innocent mandé l'État pour tabli. Yon climat sécurité sur route nationale numéro 1, yon manière pour faciliter machin yon fréquenté. Marché si la ka permettre paysan yon alvan récolte yon qui déjà commencé. Paré, correspondant nous Pascal Fleuristil depuis Villa Kaye pour plus de détails. Président coordination Kazek commune Kaye Jean Monax innocent dénoncé gozoto brio dans l'état qui blé Kazek yon. Et les locales la fait konnen, yon gen presque 3 ans depuis yon pa resevwa yon goud lesko nan men gouvernement. Et en plus tout, Kazek yo pa jam jwenn yon projet pour réaliser dans section communale yo. Président coordination fait konnen, bien que plusieurs interventions président fédération tout Kazek yo fait, pouvoir central la pa jam voyager garder yo. Jean Monax déploré comportement premier ministre Ariel Henry qui mettait Kazek yo d'ailleurs dans toute décision qu'a prend yo. Puis loin, monsieur innocent fait konnen chef gouvernement pas même quoi si Kazek yo existait. Pendant ce temps, c'est lui-même tout qui ministre intérieur à collectivité territoriale. Kazek Fond Baptiste l'a fait qu'on est, il écrit un pile projet. Malheureusement, instance qui dans l'État n'a pas jamais occupé. Pendant ce temps, paysan eux-mêmes a fait pression sur chaque jour bon Dieu mette. Autorité locale l'a mandé pouvoir central, voyager garder Kazek yo et puis mettre sécurité dans le pays. Récolte paysan au pral bon, à cause situation qui sur nationale là, ça prend la cause machin yo pap ka vin acheter dans les paysans yo. Et paysan non plus pap ka rentrer pour au prince pour vendre produit yo. Ça prend empirer 4 fois plus situation yo qui déjà a vivre dans la misère. N'a fait songer, coordination Kazek commune à Kaya gen 6 sections communales qui forment. Mission yo, c'est travail dans tête collée pour développement toute section communale yo. Depuis arrondissement à Kaya,
Pascal Fleuristil, TAC 509. C'est là nous mettons un bout avec un journal TAC 509 pour jeudi lundi 12 juin 2023. Merci à tous les amis internautes qui ont choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour nous être capables de servir, pour nous capables d'informer sur toute actualité cap passé dans pays. Merci à tout journaliste TAC 509 et technicien qui te permet journal ça arriver possible pour te présenter au journal ça. C'est moi-même Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde, à demain pour l'autre journal.